Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente comment configurer le niveau d'enregistrement audio lorsque vous faites une capture audio, notamment lorsque vous faites un cours pour netprof.fr. Alors c'est très simple, on va dans Démarrer, panneau de configuration, son, enregistrement, microphone. Donc vous voyez ici, on a le niveau. Alors, on va aller dans Propriétés, Niveau, et là, vous avez Ampli du microphone. Alors, par défaut, il faut se mettre à moins 1 par rapport au niveau. Alors, quand je dis moins 1, vous allez voir, il y a différents niveaux, et on se met 1 en dessous du maximum. Regardez. Donc vous voyez, ça va de 0 à plus 40 dB. Et donc, puisque plus 40 c'est le maximum, on se met à plus 30. Si votre maximum c'est plus 30, vous mettez à plus 20. Ici, vous avez le niveau global. D'accord? Ça c'est l'ampli, ça c'est le niveau global. Et donc, le mieux c'est de se mettre d'habitude entre 50 et 60 et de faire des tests pour vérifier que le niveau est bon. Maintenant, vous avez également une autre possibilité, c'est de faire la configuration automatique. Alors comment on fait cette configuration automatique? C'est très simple. On va aller ici, donc quand ceci est bien coché, on fait configurer. Voilà. Et là, il nous propose configurer le micro. Voilà. Il nous propose différents types de micros. Les micro-casques sont les plus adaptés, notamment lorsqu'ils ont une petite mousse anti-vent qui évite le souffle de votre voix dans le micro et donc les pops de saturation. Voilà, et donc il dit là, placez le micro à 2,5 cm devant la bouche, légèrement de côté. Voilà, ne respirez pas directement dans le micro, c'est bien pour ça qu'une petite mousse peut vous être utile. Vous voyez, la mousse, elle est ici. Ok, certains micro-casques en possèdent. Voilà. Ok, et on y va. Alors, là, il nous demande de lire une petite phrase. Donc la phrase, c'est Pierre dicte à son ordinateur, il préfère ça à taper et plus particulièrement à écrire avec un crayon et du papier. Voilà. Et donc là maintenant, le suivant, vous pouvez cocher dessus. Vous pouvez, pardon, cliquer dessus. Auparavant, vous ne pouviez pas. Donc lisez bien cette phrase. Une fois que vous avez lu cette phrase, vous cliquez sur suivant. Et voilà. Il vous a configuré le niveau. Voilà, vous faites terminer. Et ça y est. Et donc, hop là, il nous l'a relancé, c'est pas grave. Et donc, vous voyez ici, maintenant, quand vous allez dans Propriétés, si votre niveau n'était pas bon, il vous l'a monté. Vous voyez, c'était notre cas, nous on était à 52, il nous a mis 71. Donc, automatiquement, il va ajuster le bon niveau. Voilà. Bon, bah écoutez, on a à peu près fait le tour en ce qui concerne la configuration audio, du moins le niveau audio qui doit être configuré pour faire un cours correct sur netprof.fr. Merci, bonne journée, au revoir.